So my first question is about the writing of the self. Okay, so here are three people who have very different relations to the writing of the self. Edouard Louis is the author of a novel that is ambiguously yet clearly at the same time autobiographical with I mean, it's no accident that Proust was evoked a number of times when it came out, because there's the question of the name and the extent. Well, although you went Proust one better with the name issue, actually. Is the author of a novel that is ambiguously and clearly autobiographical. Didier Eribon is the author of a lot of books, one of which was a huge success recently, is in fact his most personal, most autobiographical book, and it is in fact, it takes the form of a memoir, and that is to say, an autobiographical récit that is, but not an autobiography, because it's very specific. It's about the very specific issue of class, class, particularly its relation to sexuality in your career and in French culture. Elisabeth Lebovici is never writes about herself, except that she is she is an art critic, and as such does write about herself, but does so in the form of art criticism. And she also, so you have two very different, although related, relations to the writing of the self. One is that you're an art critic, and so you write about yourself about art criticism, and the other is that you write about artists' self-portraits and the plastic expression of the self. So, so who would like to start on that subject? She is written about herself, so now she can stop. Well, okay, let me be more specific. I wonder if both of you would like, or if each of you would like to address the similarities and differences in terms of your having, your, you know, En finir avec Eddie Belleville and Retour à Reims are similar in many ways. Their subject matter is similar in terms of the nexus of class and sexuality, and intellectual life, and yet you did. These are in fact generically very different, because yours is a novel and yours is a memoir. So perhaps you could start with that. I compared me to Simone de Beauvoir. It's a very difficult task to answer your question in your talk. Can I speak French? Wait, oui. It's not an issue for because this question is really difficult. And, quand j'ai entrepris d'écrire Retour à Reims, je n'ai jamais pensé comme un travail littéraire. Je l'ai pensé comme une entreprise théorique qui utiliserait les instruments de la philosophie, des sciences sociales, de la théorie en général, pour m'aider à penser à partir de ma trajectoire personnelle, pour m'aider à partir d'une sorte d'interrogation sur moi-même, pour reconstituer une sorte d'histoire familiale, mais aussi donc une histoire beaucoup plus large des classes sociales, de la politique, et de l'histoire de la sexualité, mais aussi l'histoire du système éducatif, l'histoire du parti politique, des relations entre toutes ces questions.
habitant en France des années qui sont de la fin de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. Mais au même, je remonte un peu plus loin, puisque je parle de mes grands-parents, notamment d'une de mes grands-mères, et donc je remonte dans les années 20 et 30. J'ai jamais considéré que c'était un livre, un travail littéraire, mais j'ai eu le souci. D'une part, j'aimerais faire à de très nombreux écrivains, sans vouloir les ramener au statut de sociologue ou d'apportant des documents, mais il me semblait que beaucoup d'écrivains justement, avaient été des théoriciens qui avaient réfléchi à ces questions. Namely, James Baldwin, John Edgar Wellman, Annie Ernaux, Paul Bizan, etc. etc. Donc, je mobilisais la littérature, je mobilisais les sciences sociales pour penser quelque chose. Mais j'ai voulu construire un livre qui soit ou qui ne soit pas un livre comme ce que publient mes collègues, ce qu'ils font à sa légitimité, bien sûr. Mais je voulais faire autre chose, je voulais faire un livre qui soit aussi un texte qui imbrique un récit, une narration, où la théorie ne soit pas présentée comme une théorie, mais soit imbriqué dans la narration. Alors évidemment, c'était un exercice très difficile à mener à bien. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réussi ou pas, c'est pas à moi de dire, mais c'est ça que je voulais faire. Et je voulais m'adresser à un public plus large que celui, évidemment, des livres de sciences sociales en France aujourd'hui, en justement par cette... passer à la fois la vie des gens, de faire comprendre à partir d'expériences particulières les grandes structures sociales, notamment le rôle du système scolaire dans la reproduction des classes. Donc c'était tout un projet comme ça. Alors, évidemment, Edouard a raconté tout à l'heure comment ce livre avait été important pour lui, comment il avait été transformé par ce livre. Et comment ce livre lui a ouvert d'autres possibilités, lui a donné d'autres aspirations, lui a donné une histoire future et un avenir qui n'étaient pas ceux dans lesquels il pouvait se projeter avant d'avoir lu mon livre. Et l'autre jour, il m'a dit, tu sais, après avoir lu ton livre, je te détestais parce que je voulais être comme toi, je n'étais pas comme toi. Donc il y a ce rapport ambigu, mais si je peux dire ce qui me différencie d'Edouard, parce que beaucoup de choses me différencient d'Edouard. Non, mais ce qui me différencie de lui, et ce qui me différencie de moi, c'est qu'il a écrit son livre alors que Retour à Reims existait, et que donc il était... Et on voit bien que la situation oblige à inventer des formes pour faire quelque chose, et que quand quelque chose existe déjà, on se sent tenu de faire autre chose, de faire autrement. Et donc, la forme littéraire, le fait qu'il soit écrit roman sur la couverture de son livre, parce que c'est un roman, plutôt biographique, mais un roman, vient beaucoup du fait que, quand il me parlait de sa vie, de ses expériences, et que je disais qu'il faut en faire un livre, je pensais qu'il allait faire un livre comme le mien. Naïvement, bêtement, c'est ça que je lui suggérais. Et il a eu l'immense, l'extrême intelligence de ne pas suivre mon conseil, de suivre mon conseil d'en faire un livre, mais l'extrême intelligence de faire un autre type de livre. Et ça, je crois que ce qui est important c'est dans sa démarche, c'est qu'il voulait faire un livre comme moi, mais qui ne serait pas un livre comme le mien. Comme tu veux, vraiment. Je voulais aussi, par rapport à ce que tu disais, revenir sur la question justement de l'ambiguïté ou non du caractère autobiographique de Finishing of Eddie Bergen. Parce que, en fait, moi, quand j'ai publié le livre, justement, la question de la vérité était un enjeu très important. I really wanted to say everything I wrote in this book is about truth. Okay, it's about society, it's like
as say Foucault, diagnostic of our present, of our lives, etc., of the life of my childhood, etc. Yeah, donc j'ai toujours peur qu'il y ait une autre personne qui parle pas anglais et français qui se sente exclue et marginalisée. Oui. je vais mixer un peu les deux et comme ça, voilà. Et donc précisément cette question de la vérité était quelque chose à quoi je tenais en fait, hein, qui m'a vraiment guidé dans l'écriture. Et parce que je pensais que justement, politiquement, l'écriture de soi, et justement je pense que cette voie est ouverte par des gens aussi comme Violette Leduc, tout ça, avait un impact politique très grand, disons justement, c'est de ce présent, de notre situation. Et de fait, quand des journalistes ont fait du fact-checking on my books, so they went to see my family, my mother, to check if what I say was true, and they make like incredible things, so I learned a lot about what journalism can be sometimes. So you know, they like dressed my mother differently, and they would take her in a house which wasn't the house of my childhood, etc. So like they built a fiction against my will of truth in finishing off Edinburgh. And so, and they made the man shut because they were afraid the man of my family would be too much mocked by the determinism when they speak. You know, it's so much obvious. And so they made these incredible things. And then some journalists tried to like support me and say, but anyway, Edouard Louis does what he wants because it's a novel. And you know, I felt very uncomfortable and I felt stuck between these two positions because I wasn't, j'étais pas à l'aise non plus avec la position qui consistait à me défendre parce que justement c'était comme une approche du roman et de la fiction qui serait une approche dépolitisante en fait, comme un usage social dépolitisant de la littérature qui consisterait à dire puisque c'est de la fiction, il écrit ce qu'il veut, etc. et on s'en fiche de ce qu'il dit. Ce qu'il faut, c'est regarder le style, etc., ceci et cela. Alors que moi, ce que je voulais dire, c'était, en effet, ça, c'est la vérité. Et donc, quand il y a eu ce fact-checking mensonger, etc. C'est étrange quand même de faire du fact-checking à propos d'un roman. Non, mais précisément, c'est le fact-checking, because since the very beginning of the novel, I wanted to tell that everything was true. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était justement d'utiliser le roman pour, reach the truth, you know? Because for me, novels means construction. And precisely construction is not about fiction for me, but construction can be a way to reach truth, you know? Well, there's a long tradition in the French novel of the Père Goriot in the beginning. He says, in English, to make it more emphatic, in italics, all is true, punctuates the text. So, I feel compelled to refer to the late Michael Riffiter's book, Fictional Truth. I mean, this is the idea that if you want to get at the truth, you go through, you pass through. Fiction necessarily gets the truth is one that that existed before. Yes, of course, for sure. But I meant like to reach this truth. So the goal was not to use l'enjeu n'était pas justement d'utiliser des éléments fictionnels, etc., mais d'utiliser la construction. En fait, un peu justement sur le modèle de la sociologie. Qui dirait, si vous voulez comprendre le monde social, vous construisez un tableau, vous construisez un concept, etc. Et du coup, la construction est un moyen justement d'approcher la vérité, mais c'est plus que si je vous mettais dans la rue et que je vous disais, regardez cette vérité. Et c'est pour ça que je voulais dire roman, je voulais garder roman sur la couverture. Oui, donc ce miroir est roman. Oui, voilà, absolument. Votre ami Victor Hugo. Mais j'imagine que pour Elisabeth, on a tout ça, la construction. Ces trois formes de produire le jeu, une sorte de soi dans les trois livres que j'avais relus bien longtemps après mes premiers fantasmes, c'était d'une part le désaveu, d'autre part le montage et
c'est ce que je pense essayer de comprendre dans les œuvres ou les expositions que je vais voir. Et effectivement, je pense que ces productions artistiques, esthétiques, sont des documents sociaux, intellectuels, esthétiques, politiques, et qui effectivement informent, sinon mon autobiographie, du moins mon autobiographie de spectatrice. Alors moi, je dirais que si j'ai quelque chose qui est de l'ordre de l'autobiographie qui se manifeste dans mon travail, ce serait en tant que spectatrice qui reçoit et qui essaye de comprendre, qui essaye d'analyser, qui essaye de voir les structures à l'œuvre dans cette œuvre. Et moi, je ne me sens pas une écrivaine, je ne suis pas une écrivaine, je n'ai pas produit de récit qui soit un récit vide, comme on dit aujourd'hui, un live story, c'est une scène aujourd'hui dans l'université, et je comprends pourquoi. Je veux dire que ça succède. Bon, moi, je me sens effectivement produire quelque chose de l'ordre de l'autobiographie en tant que spectatrice qui reçoit un certain nombre d'œuvres qui est accumulée au cours du temps une énorme expérience. Je viens de dire, je me sens clandestine partout, y compris ici, parce que je ne suis pas du tout une historienne de la littérature, ni une théoricienne de la littérature, ni même pas. Donc je me sens très clandestine, mais en même temps j'ai une expérience. Ma vie, c'est mon expérience, et cette expérience consiste effectivement à essayer de comprendre ce en quoi les œuvres, dans leur procédure même, documentent du monde. Et comment elles le documentent ? Est-ce qu'elles en disent ? Voilà. Et en ce sens, je suis une lectrice, comme je serais une lectrice de vous. Voilà. Une lectrice de... Une lectrice des œuvres. En essayant que mon expérience effectivement aille un petit peu au-delà de ce qui se passe plastiquement dans l'œuvre, pour essayer de comprendre comment, effectivement, elle représente, ou parfois elle documente, parfois, un monde. Am I right in believing? I've read a lot of your works, and I suppose that I've thought a lot about the question of, I mean, having worked 3 years on Proust, among others, I've thought a lot about the thorny question of whether there, of what autofiction is and to what extent it is different from. I know what I'm saying. Okay. To answer about actually two books, to give a little bit of a more specific angle, Jouir and then the new book in Education Catholic, because in a way they are connected. Jouir I wrote in the 90s, it was published in 97, and it's in a way it is, as Edmund White said, told me once, it's my gay book. And in what extent, because it's a very heterosexual book. But it's true that when I wrote it, it was after I read a lot of books by Henri Guibert and Renaud Camus, and particularly that book Renaud Camus called Tricks, which was prefaced by Roland Barthes, thank you. The name was really weird. It was on my mind, but I couldn't access it. Yes. Thank you. and which spoke of a neutral writing about that book, because he had a way of describing 3 months of encounters in clubs in New York, Sydney, San Francisco, Paris, Berlin, among other places, and just basically repeating almost every scene is basically the same. He walks into a club, and at some point, you know, see someone and they look at each other and they leave together and they go to his place or to a hotel and they have sex. He's describing the sex in very graphic detail and then bye bye and they don't see each other again. And it's a whole book is like this. And there is, in a way, a performance of a book that is not going anywhere but just describing these 3 months of homosexual encounters. And when I read it, I was really struck by it, by the capacity to stay there in the fact and be so matter of fact and not go into any kind of sentimental stuff or feeling or nothing. And this is what Barthes called neutral writing. And I just wondered, I asked myself, can a woman do that? I guess someone else since then has given an answer to that question. Catherine. Yes, another Catherine. That was long, yes, after my book.
And so I thought, okay, that's, you know, it's an interesting question. I'm going to start writing about my sexual life. Anything connected to sex, but it could be desire, it could be really anything, because it starts from a child, and it's not chronological at all. Just little scene, little vignettes, and I'm just going to describe it fact, totally matter of fact, and not no analysis, no description of feeling, just fact, things that happen. So I did that. And depends on how you read it, because men and women read it in very different ways, I think. Men read this book, it's very, very direct, you know, I call it a shot on shot. It's graphic in a way, but not that much, just super direct. And so for men, it's somehow an exciting book. And for women, it's much closer to the way I wrote it, because even though I don't describe any feelings or anything, I think it's a very emotional book. But it's in between lines, and I don't name the emotion. So either you feel it or you don't feel it. So I guess it was an answer, you know, I guess I'm writing probably about a different self. Even though Catherine Millet, I think her book is much closer to what René Camus did. But you know, it's much more it's writing about sex and in a way different from the chemical, of course, but using the abstraction of writing and not at all sentimental. Mine, I think, is very much about emotion. So then I had that little book that came out and was not well received at the time, not well received. I think it angered people, and they completely ignored it, except for one big article that said it was anything but emotional. And which was fine with me. I thought it was a funny, strong reaction. Then I wrote other books, but years later, I thought, you know, that book that, in a way, was about myself, and about my sexual self, about desire. Maybe that book was not completely true. Because it's about moments, all these moments, it was they were all about moments, but I didn't establish any connection. It was like a mosaic. And this is what, in a way, almost triggered the writing of In Education Catholic. Not quite, because when I wrote In Education Catholic, which is my last published book, which I started a long time ago, first the question was, what is left of my Catholic education? I had a Catholic upbringing, even though I had a Jewish mother, but it was not a strong Catholic education that was there, and then I stopped believing when I was 13, and nothing was left of it. I said, that's interesting, what was left of it? And I started writing, and then I realized very quickly that it was not a book at all about that Catholic education in part of the book, but it was a book about what it means to love and to learn to love. It was really a sentimental education. And it was a book that was retracing the continuity and the learning that somehow was completely absent from my Oscar Pujuya. So it's the other side of you. I have no idea what kind of answer I've given you. Yeah. But you've also written novels that are not, that don't fall into the category of autobiographical novels or yes. Auto fiction. And so any thoughts about the generic difference? Oh, it's extremely different. It really has nothing to do with it. It's a completely different kind of writing. Because the books which I call autofiction, and which for me the project is really a project of truth. You know, I'm not trying to mislead, you know, to tell you, okay, here I am, Catherine Cusset, I'm going to take you somewhere in fiction. Not at all. I don't give my name. I don't describe. I actually don't even use my name. But the project is really to. You know, truth is a very complicated concept, I'm not going to try to define it, but at least I'm trying to be completely true to myself and to my memory and to expose myself completely, absolutely no mask. And you know, it is a truth of fact and a fact of what I remember and of feelings. And these books, when I start them, I never know they are going to be books. I started Life de la Famille, I just had a question, what did I inherit from my father and mother? And I thought it would be 10 pages, but it's a book, it became 400 pages, and it became a book about my mother and about the relationship between mother and daughter. So it's a kind of book when you start writing, when I start writing, there is a quest,
I'm searching for something, but I don't know yet what. So it's not, I am not in control of that kind of writing. It's some kind of quest, right? If I write a novel, like the story of Jane or like Indigo, you know, I don't always know at the beginning exactly what will happen, but I do have a construction, a structure, I know where it goes. And it's playful, it's fun, I like writing that way too. But it's a safer writing. It's a safer writing. And of course it's a books of mine which have received prices in a way, you know, because it's safer. When you expose yourself and when you... It's safer because you're not putting yourself... Yes, because you're not putting yourself online. Mm-hmm. And also, I mean, you know, when you put yourself online, there are some issues regarding the other people who are involved. So that's another issue, which ethical issue, private issue, I'm not going to speak about here. So I don't... I really don't know what this discussion is about, so... It's about that. Yeah, it's like, for example, contrary to what you were telling, as you were writing about your past, etc., for me I felt that when I was writing and finishing off Eddie Belgel, I had to, like, to be a trigger through Eddie Belgel in order to, you know, to write a trailer. And c'est-à-dire que un traître, c'est-à-dire que le en finir avec Eddie Belgel pour moi voulait dire dans l'écriture de ce livre en finir avec l'enfance que j'avais, mais c'est-à-dire aussi en finir avec la façon dont justement l'enfant que j'étais aurait perçu cette enfance. Et c'est-à-dire m'arracher d'une certaine manière à ce que j'avais été pour dire la vérité, justement, ne pas y rester d'une certaine manière fidèle, mais au contraire. Et justement, à propos de cette question vérité, pas vérité, est-ce que de toute façon le problème n'est pas très loin? Parce qu'à partir du moment où tu es réellement, tu mens, tu dis la vérité, c'est juste que tu dis que c'est écrit. C'est exactement ça. Être mort, ça veut dire. C'est d'écriture, donc il ne s'agit pas de vérité. Oui, mais tu vois, en disant ça, justement, on balaye un certain nombre de problèmes politiques, parce que moi, c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai reçu, c'est-à-dire, moi, je voulais dire, il y a ces situations qui existent, vous voyez, il y a ces femmes qui souffrent encore plus dans certaines configurations, dans d'autres, etc. Et du coup, quand on disait c'est un roman, on s'en fiche, etc., ça permettait d'un seul coup complètement de déjouer la question. Non, c'est pour ça que. Au contraire, si c'est l'écriture, ça veut dire que ça permet d'être lu, ça veut dire que c'est partagé pour tout le monde. Au contraire, je ne suis pas du tout d'accord avec alors, toi. Non, mais dans le fait que moi je l'écrivais, mais dans les réponses qui m'étaient adressées, c'était un moyen de. Par exemple, on disait l'exagération. De toute façon, c'est probablement l'exagération, etc. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant ensuite, je me suis rendu compte que le thème, tu parlais tout à l'heure par exemple de l'hétéronormativité, tout ça, je crois que l'idée d'exagération est un des grands invariants de l'histoire du conservatisme. Tu vois, quand il y a Abdelmalek Sayad dit que dans son livre La double absence, dit quand on commence à parler des tortures en Algérie, etc., qui sont menées sur les Algériens, etc. La première chose qui a été, bon, il consacre plusieurs lignes à ça, c'est le thème de l'exagération. Christophe Wolff a dit la même chose à propos de l'Allemagne, de la naissance de l'Allemagne nazie, etc., dans Trame d'enfance. Et donc, l'exagération a été utilisée en ce sens-là, c'est-à-dire d'un seul coup évacuer la question, et alors parfois peut-être la sauver pour des questions esthétiques, etc., alors que précisément, l'enjeu c'était d'utiliser, comme tu dis, l'écriture pour que ce soit lu, et donc d'utiliser des choses esthétiques pour poser ces questions et pas pour les évacuer. Et je trouve que. Ou alors, l'autre question qui est souvent posée en littérature, c'est la question du misérabilisme. Et tu parlais tout à l'heure du vrai lieu de Annie Ernaux, de son dernier livre, et j'étais stupéfait de voir qu'Annie Ernaux disait dedans moi je veux échapper au misérabilisme. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, misérabilisme? Dès que vous parlez de misère, etc., on vous dit que c'est de l'exagération, c'est du misérabilisme.
Et quand on voit Violette Leduc, par exemple, ce qu'elle disait tout à l'heure, elle pulvérise complètement ce genre de rhétorique. C'est entre quelque chose de beaucoup plus politique, la vie est faite de souffrance, de violence, et elle pose cette question. Et, c'est comme si quand il y avait le mot roman, tout d'un coup, tous les clichés conservateurs, c'est juste indiqué justement qu'il y a des procédés qui ne sont pas transparents. Effectivement, ils sont écrits, donc ils sont reproduits. Ça, c'est très important. Je suis d'accord avec toi, mais simplement, je voulais questionner un truc qui s'est passé. En fait, tout le monde, on parle en français, je suis passée. We can switch. One person says she doesn't understand French, but she does. So. Somewhat. Well, I was speaking English, that's why I can't more. For the first thing is that about Annie Arnaud, she completely refused the word novel and the word autofiction as well. Because she really rejects this idea of fiction. But I want to say something about actually, I remember when I read the book last year? Yes. And I really didn't know anything about you. I didn't know even that it was a success in France because I was not there. So I picked it up, you know, when I came back, picked up at the airport, I don't know when. I read it knowing nothing, absolutely nothing. I had no idea you were so young, I mean, really nothing. But I just had a feeling it was a novel. I really didn't feel it was something autobiographical at all. I just think it was my sense, it was a novel. And if I just started the book by an avatar, which I just started last night, because I just got it yesterday. So the conference will not have been a complete failure. That's great, that's what happened. So glad. And it's funny from the beginning, you know, the sense, not because I saw the film, but I sense this is about her. So it's, I don't know how to explain it, and I don't know, and so I am not sure, I still don't know anything about you actually. So I don't know if it's autobiographical or not, but obviously in the writing itself, there's something that makes me feel this is a novel, and makes me feel this is autofiction, this is about my life. And I don't know exactly what it is. You know, I can't point it out. So wait, you feel that there's something in the writing itself of Enfignadec and Ibergue that made it feel like a novel, whereas La Bataille... Not a novel. No, that's very interesting. And do you have any other thoughts about what this was? I don't know because I didn't think about it. It's just an impression I had. So I don't know. To what extent is it a novel? Is it? Is it not? I guess I should. Now that you are here, I should ask the question. Elisabeth, dans son travail de critique d'art, est confrontée à cette question, c'est comment pour exprimer quelque chose, il faut inventer une forme. Et moi je suis toujours très frappé. Louise tout à l'heure m'objectait que je me faisais remarquer que Monique Wittig dit si je n'avais pas parlé du sujet dont parlent mes romans, si ça avait été un autre sujet que dont elle parle, on aurait plus attaché d'importance à la forme littéraire, au travail littéraire que je fais. Ce qui est peut-être vrai, mais je répondais à Louis que tout auteur est confronté à ça. Toni Morrison a fait exactement la même remarque. Parce qu'elle écrit sur l'histoire noire des Noirs américains, on lit ses livres comme une sorte de document et on oublie l'invention formelle. On pourrait prendre d'autres. Et Mahmoud Darwish, je dis ça, on fait de moi le porte-parole de la Palestine et on oublie que je suis un poète, même si dans ma poésie je veux contester l'appropriation du lieu par des poètes israéliens. Il reconnaît que ces livres participent d'une bataille politique, mais dans l'ordre littéraire. Et c'est pas difficile de dissocier les deux, mais en même temps dire ah mais il faut penser à la forme, je trouve ça très très bien, mais il faut voir que c'est parce que les gens doivent inventer une forme pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose. Et Edouard, je crois,
Moi, je peux faire des confessions personnelles puisqu'on parle de writing of the self, speaking of the self. Quand j'ai connu Edouard, bien avant qu'il n'écrive son livre, bien sûr, puisqu'il a été mon étudiant, j'avais 17 ans, je crois, 14 ans. Il n'était pas né. Mais comme la catégorie bâtard, c'est pas. Nous avons noué tout de suite une relation d'amitié, de complicité, puisqu'on s'est connu par l'intermédiaire de mon livre, de trois races, et il s'est mis à me raconter des choses de sa vie. Or, ces choses de sa vie, quand il en a fait un livre, je les ai retrouvées l'une après l'autre dans le livre, mais évidemment transfigurées par l'écriture. Je sais que tout est vrai. Mais quand il me le racontait, il n'y avait pas la mise en forme littéraire, la construction des chapitres, le travail sur l'écriture. À la fois, c'est tout à fait. C'est un livre dont je peux attester l'authenticité de ce qui est dit dans le livre et tous les fast-checking que j'ai. Déjà, l'idée d'aller fast-checker un roman, fact-checker un roman est absurde. Mais en plus, croire que ce que disent les personnages, qui se reconnaissent dans un roman est plus vrai que ce que dit le roman, et bien, c'était une construction fictive quand le roman disait des choses réelles, vraies, mais évidemment c'est filtré par à la fois une expérience subjective, c'est une subjectivité qui rapporte de ça et qui essaie à partir du point de vue d'où il est arrivé, de comprendre ce qu'a été son enfance avec laquelle il a voulu rompre. Justement pour porter un regard à la fois sociologique, politique, par le moyen d'une construction littéraire. Alors évidemment, ça faisait un exercice extrêmement difficile. Il faut reconnaître qu'il est assez doué, il a beaucoup de talent. C'est un exercice extrêmement difficile qu'il a réussi, au point que des gens ne pouvaient plus croire que ce qu'il racontait, c'est ce qu'il avait lui-même vécu. Or, moi je sais que c'est ce qu'il a vécu, puisque quand on se parlait au début où on s'est connu, il n'avait aucune raison de me raconter des histoires fausses, et surtout il me racontait ça avec beaucoup de timidité, il me racontait, mais toujours avec de la réserve, nos enfants, etc. Donc il a inventé une forme pour dire quelque chose, pour dire ce qu'il voulait dire, et pour à la fois restituer une expérience et comprendre le monde dans lequel cette expérience s'était déroulée. Par conséquent, moi ça ne me gêne pas du tout que le livre s'appelle roman, même si on peut dire que c'est un roman vrai, c'est une autobiographie, et la différence avec Violette Leduc, je dirais, c'est que Violette Leduc, quand elle commence la bataille. Je suis un peu gêné parce que tout à l'heure, son exposé, c'était comparer sa relation de Violette Leduc à Simone de Beauvoir, à sa relation avec moi. Donc je suis à la position de Simone de Beauvoir. Et comme il disait que ce qui était très bien chez Violette Leduc, c'est qu'elle dépassait Simone de Beauvoir. J'ai au moins aimé ce passage de sa conférence. On ne dépasse pas si facilement. Violette Leduc commence un cycle autobiographique avec la bataille. Alors évidemment, c'est pas les mémoires de Simone de Beauvoir. Elle ne raconte pas comme ça. C'est pas un récit linéaire. C'est des fragments, c'est des évocations, c'est des. Donc d'une certaine manière, ça pourrait être. Mais au fond, si le livre d'Edouard se rapproche de Violette Leduc, ça serait peut-être plus de l'asphyxie que du cycle autobiographique. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai écrit la première phrase de mon livre, de mon enfant, je n'ai aucun souvenir heureux. Tout le monde m'a dit, mais c'est une référence à l'évêque de
mon enfant, je n'ai aucun souvenir. Et en fait, c'était un livre que je n'avais pas lu à ce moment-là, et donc je n'avais pas du tout pensé à Pérec. Et la personne à qui je pensais, c'était Violette Leduc, précisément. C'était ma mère ne m'a jamais donné la main, c'était le même esprit, le même, cette filiation-là. Et, mais je crois aussi que dans la réception du livre, ce qui peut donner moins l'impression de, comment dire, que c'est réel et que c'est véridique, c'est aussi la question justement du milieu social et de la thèse sociale dont je parle. Et parce que quand j'ai commencé à écrire En finir avec une belle gueule, c'est aussi un moment où j'avais l'impression que ce monde était vraiment très invisible de la littérature, de la production littéraire, du discours politique, j'en parle même pas, etc. Et même quand j'ai lu Didier ou Annie Ernaux, pour moi c'était vraiment des milieux tout à fait différents. Annie Ernaux, elle décrit son enfance pauvre comme l'épicière, etc. Et moi quand j'étais petit, on disait toujours l'épicière c'est une grande bourgeoise, elle paye l'impôt sur la grosse fortune, ma mère disait toujours cette phrase. Et on la détestait, on la percevait comme une bourgeoise. Et même les ouvriers, on avait beaucoup de rancœur. Que mon père a arrêté très tôt, ensuite on a vécu des aides sociales pendant toute mon enfance quasiment. Et donc même les ouvriers, on les considérait comme des bourgeois, on les considérait comme des gens qui avaient un salaire tous les mois, etc. Et on les détestait, et moi je les détestais avec mes parents, etc. Et donc je crois qu'il y a aussi cette absence qui donne peut-être aussi, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je formule, mais qui donne un sentiment d'irréalité. Quand des gens me disaient « Ah mais moi je suis étonné par ce que vous racontez dans le livre », moi j'étais étonné par leur étonnement, parce que ça me semblait être des choses qui étaient tellement présentes, etc., que je l'ai tellement ressenti. Vous voyez, moi mon frère a 30 ans, il a 9 enfants, une famille frappe sa famille, frappe ses enfants, etc. Et pour un certain nombre de personnes, ça semblait incroyable. Moi, je ne sais pas, dans mon enfant, j'avais que des gens comme ça, qui vivaient dans ces situations-là, qui étaient dans cette situation de violence, elle-même produite par l'exclusion, évidemment, comme j'essaie de le montrer dans le livre. Mais, et du coup, je crois que ça peut être aussi, en plus de tout un tas de choses, bien sûr, mais ce qui donne ce sentiment. Parce que moi, je l'ai eu dans l'autre sens. Quand j'ai découvert la littérature, j'avais un sentiment d'irréalité dans ce que disaient les autres, en fait. Except que, je suis tout à fait d'accord avec le rapport qui est fait entre le travail, sauf qu'il y a deux petites choses. La première, c'est que quand même, Violette Leduc, elle ne sait pas. C'est-à-dire que toi, quand tu commences à écrire ton livre, tu es dans une position où tu es élève de Didier, tu rencontres Didier, tu es donc en train d'essayer de témoigner rétrospectivement le plus véritable possible, avec plus d'authenticité, d'une expérience sociale, hein, dont tu es séparée. Quand Violette Leduc écrit, ça n'est pas le cas. Hein. Elle n'est pas le cas. Elle est une clandestine. Elle est une illégitime, y compris aux yeux de l'université. Enfin, elle le dit tout le temps. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été à l'université. Et donc, il y a quelque chose. En fait, elle s'apprend à écrire en écrivant. Elle s'apprend son expérience dans le concept d'écriture. Et pour moi, c'est c'est la réponse, Didier Eribon a répondu tout de suite en fait à la question que je vous posais quand il t'a expliqué un peu tout, et c'est exactement ça. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait une volonté de prise de distance et qui forcément s'est traduit quelque part dans l'écriture, où vous aviez un regard qui était déjà extérieur, qui s'était déjà éloigné, alors que certainement peut écrire de l'intérieur. D'ailleurs, on voit ce rapport avec sa mère qui est complètement fusionnelle. Edouard, il y a peut-être, quand elle écrit la data, je sais pas quel âge elle a, mais de toute façon, elle est plus âgée que Edouard. Ce qui fait la spécificité du livre d'Edouard, c'est aussi que c'est une restitution presque au moment où il quitte son milieu d'origine, après l'étape, la première étape qui était aller au lycée, puis entrer à l'université, qui était déjà une grande rupture avec son milieu d'origine. Ensuite, pour une raison tout à fait conjoncturelle, qui est la rencontre avec mon livre, et il se trouve que j'enseigne la mienne,
où il habitait. Donc c'est de, oui, des hasards qui se sont produits que, mais la preuve c'est qu'ils se sont produits. C'est presque une restitution, une rupture et une restitution, on va dire, à chaud de cette rupture et de ce qui a, sur quoi ils vont. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, s'il revient sur ce niveau-là, s'il le reformule, s'il revient sur cette histoire, peut-être que ça sera peut-être tout à fait, enfin, pas anticiper bien sûr, mais ça peut-être sera tout à fait différent de ce que l'espèce de, à la fois de d'intensité qu'il a mise là. Tu nous demandais tout à l'heure, Elisabeth, juste avant que Catherine arrive, ce qui pouvait différencier nos projets. Lui, il s'enfuit, moi je reviens. Et mon Isabelle retour à l'inscrire. Oui, c'est pas plus âgé que lui. Tu veux plus âgé que lui. Bien sûr, moi je reviens. Tu veux partir. Oui, je suis parti et je reviens très longtemps après. Retour à Reims, c'est 30 ans d'un milieu. Lui, c'est le moment où il fuit. Donc évidemment, dans sa fuite est perdue et sa volonté de faire comprendre pourquoi il fuit, mais aussi de rendre visible ce qu'il a fui, il est évident qu'il y a une force romanesque qui presque peut l'emporter sur l'aspect de véracité, de restitution véridique de l'éternel. Et il a été très vite confronté à ces questions, donc peut-être qu'il ne les avait pas anticipées, mais elles sont venues, les questions sont venues très vite. Et peut-être qu'un jour il reviendra, il fera retour à Lancourt. Dans quel cas, peut-être que ça sera plus un roman, mais un livre qui sera plus proche du mien que celui-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il m'a dit qu'il écrivait, quand je lui ai dit qu'il devrait faire un livre, mais je ne saurais pas, je lui ai dit, mais il faut essayer. Et quand il m'a dit qu'il le faisait, naïvement, j'avais cru qu'il faisait la même chose que votre monsieur, vous n'avez pas compris, il faisait un roman. Tout d'un coup, il m'est venu à l'esprit, moi j'ai toujours des comparaisons avec des choses que j'ai vues, tu vois, des artistes, etc. Et je me disais quand même, dans le champ artistique, il y a des expériences qui sont troublantes par rapport à l'écriture. Par exemple, je pensais à un artiste anglais qui s'appelle Monsieur de Bellega, il y a très longtemps, son travail date des années 90, et lui, son projet d'autofiction, d'un certain point de vue, ça a été de se servir de sa famille, hein, qui était donc une famille complètement dysfonctionnelle, de gens, là aussi dans une milieu sociale assez éprouvante et considérable. Et donc, son geste à lui, ça n'a pas été d'écrire, une analyse, ça a été de se replonger visuellement dans des parties photographiques, pas de se replonger, puisqu'il était encore dans sa famille, il vivait encore dans sa famille, et il a effectivement montré ce qui se passait en faisant, poser au moins, jouer peut-être, et en tout cas en mettant en image ce monde. Et c'est vrai que c'était un moment assez étonnant. Enfin, je pense que beaucoup de photographes ont travaillé à cette même problématique, c'est-à-dire tout d'un coup d'essayer de reprendre sa vie. De produire un récit de sa vie en se mettant dedans. Justement, j'aurais pu évoquer, enfin revenir à ce. Edouard, tu disais tout à l'heure que tu avais le sens de trahir, que c'était un travail de traître, et nous avons ici comme Richard Dillon, en fait trois personnes. Trois personnes, vous avez Edouard Louis, Didier Eribon, Catherine Cusset, chacun et chacune de vous avait chacun
de a longuement parlé, enfin écrit beaucoup sur sa famille de manière, d'une manière qui me fait poser la question de à quel point est-ce qu'il est possible de parler de sa famille de manière franche, sans devenir traître, sans avoir la sensation de trahir, Catherine Cusset, auteur d'un livre intitulé La haine de la famille. Mais c'est la question. C'est le seul de mes livres qui m'ait pas trop posé de problème, enfin des livres de fiction.